Salut à tous et à toutes, c'est Mister Saucisse grillée musique pour tous. Attendez, on va trouver des gens pour jouer de la musique de saucisse grillée. On voit rien. Caméra. C'est rigolo. Trop cool. J'ai un truc dans mon... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça aussi. On a ça. Oula, caméra. C'est ça ou rock. Et on a ça. Trop cool. Trop top. J'espère que ça vous a plu et on continue. Non, je n'ai pas de poisson pour toi, petit coquinous. Qu'est-ce que je pourrais faire? On pourrait visiter ces magnifiques maisons de ouh coquin. Voilà, c'est mieux. Visitons ces jolies maisons qui donnent trop envie. Rentrons là-dedans. Trop beau. Trop top. Trop bien. Ouh, content. Ouah, des problèmes psychologiques. N'en voulez pas, petit rouge coquin. Non, ou essaie de descendre, mais n'y arrive pas. Parce qu'il est attardé. Voilà. C'est la vérité. Mais ou le prend pas mal. Voilà. Magnifique plan de caméra. C'est tellement bien fait. Je suis ému. Tu me feras encore un meilleur plan de caméra foireux la prochaine fois. Là, c'est perfect. Je veux une autre caméra pourrie comme ça. Sublime. Toute beauté. C'est trop beau, putain. Oh. Oh, moi. Non, je voulais récupérer. Je n'ai rien récupéré du tout. Hum.
Ouh, pas content. Ouh, pas content. Alors, qui veut des saucisses grillées? Personne? Hein? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui veut une mission que je devrais faire? Bande de saucisses coquinous. Non, pas de saucisses mission. Dommage. Ça glisse, hein. Trop cool. Trop top. C'est des wouhou émotions, c'est des wouhou émotions. J'avais oublié ce truc-là, je sais même pas si j'ai été visiter ce bazar. Faisons demi-tour et allons voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Quoi là-dedans? Ah, des poissons. Allez, avance. Je pense que ici c'est bon. Je vois un pingouin. C'est bon, on y est. Et du coup, normalement, je peux. Pas ça. Et voilà. Comment ça, il veut pas? Je peux pas le découvrir. C'est bizarre, ça. C'est bon, je l'ai récupéré, c'est fait.
C'était juste ça que je voulais faire en fait, hein. Récupérer l'exemplaire du pingouin. C'est comme ça que fonctionne le jeu. Et par la suite, ça permet que quand vous construisez de votre côté dans votre sandbox, ben vous pouvez en créer autant que vous voulez. J'ai terminé le jeu depuis des années, hein. C'est juste que j'aime bien. J'ai découvert ce jeu grâce à Fanta, je pense que c'est en 2014, je crois, ou 2015, je sais plus quand. Je peux plus trop vous dire quand ce jeu est sorti et quand j'ai découvert la vidéo de Fanta Bob Games. Donc Fantasio 974, hein, l'ami de Bob Lennon. J'ai découvert grâce à ça ce jeu. Du coup, moi j'y joue de temps en temps pour faire pour faire ce que je fais là, quoi. Après, c'est ma façon de faire. Moi, j'aime bien tout ce qui est jeu comme ça. Donc voilà, mais c'est vrai que la plupart des gens ne jouent plus du tout à ce jeu. C'est un jeu abandonné, quoi. Après, c'est un peu de leur faute, hein, parce que j'avoue qu'on n'a qu'un seul choix. Le choix qu'on a, en fait, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas avoir plus de deux personnes en coop. Et ça, c'est ultra nul, ils auraient dû mettre 4. 2, c'est trop limité, quoi. 4, c'est beaucoup mieux. Ou 8, c'est encore mieux. C'est maximum, c'est déjà pas mal. Mais 2, c'est nul. Parce que 2 veut dire toi et une autre personne. Mais moi, je voudrais qu'on puisse être 4 au minimum, au pire. Ou si vraiment ils peuvent le faire, 8. C'est pour ça que le jeu se casse la gueule. C'est parce qu'il y a trop peu de gens. C'est dommage parce que c'est Warner qui fait ça, donc c'est censé de faire comprendre que c'est des trucs de riches, quoi. C'est Warner Bros. Ils ont de la thune à stunas, donc ils devraient permettre de faire ça, quoi. Merde. Enfin. Parce que du coup, ça permettrait, je sais pas, moi, par exemple, ça, ils pourraient mettre comme LittleBigPlanet un mode online. Où tu peux rejoindre des gens qui sont en cours de jeu et qu'on peut être jusqu'à 4 ou 8 personnes, ce serait parfait. Et du coup, ben, on peut être entre nous, c'est trop bien à ce moment-là, ça aurait été stylé quoi. Puisque c'est le principe du nom du jeu, Lego World. Donc, ça veut dire le monde de Lego. Donc, ça devrait être considéré comme Minecraft, comme Dragon Quest Builder 1 et 2. Ça devrait être pareil quoi. Pourquoi ils ont foiré le système d'online? Je suis sérieux quoi. Ils auraient dû faire 4 ou 8 et le serveur online. Parce qu'en plus, il me semble que ici c'est en local seulement. Enfin, je suis pas sûr, hein, mais peut-être qu'on peut jouer en ligne à deux, mais il me semble que non. Il me semble que c'est uniquement en local. Il faudrait que je vérifie, peut-être que je me trompe. Mais même quoi qu'il arrive, deux, c'est pas suffisant. Donc en bref, vu de notre état à nous, de notre point de vue à nous, c'est-à-dire un, une personne. Une personne et vous. C'est pas ouf, hein. Sincèrement, moi j'aimerais bien que beaucoup de gens soient là. 4 à 8 personnes se promènent, tout ça. C'est plus stylé à la RPG, quoi. Mais non. C'est un jeu qui est fait plutôt pour les enfants, donc à mon avis, ils ont empêché ça, mais. Je suis désolé, j'en suis sûr que la plupart des gens, c'est pas que des enfants qui jouent. La preuve, j'ai 27 ans, je suis pas un enfant. Et j'aime bien ce jeu. Bon, après, je suis ouh-ouh de moi aussi. Je suis assez spécial, moi aussi. Je suis ouh-ouh de moi. Soyons ouh-ouh de nous. Ouh tout doux. Saucisse grillée pour tous. C'est sympa, hein? En tout cas, c'est un jeu sympa et plaisant à faire, ça c'est clair. Ça, j'ai pas de saucisses à dire. Nos saucisses, comme on dit. J'aurais bien été fait un peu d'online sur un jeu qui s'appelle Duke Nukem 3D. Mais le problème, c'est que j'ai plus d'online. Je
Moi, ça va être fatigué, moi. Oui, je suis en mode sadique, il fait ça, du coup je veux qu'il se casse la gueule, c'est trop rigolo. Je suis ouh méchant. Faut bien dire pour que c'est pas de la gueule, il suffit de faire ça. Hop. Hop. Voilà, et vous faites péter sa gueule. Meurs. Ouais. Ah non, ça marche pas. Il n'est pas mort. Dommage. Mon avis, il prévoit en fait que tu puisses tomber sans te faire mal, donc du coup ça marche pas. C'est un peu dommage parce que je voulais le faire souffrir. Je suis un peu ouh méchant. Un peu ouh méchant. J'aimerais bien tellement faire des let's play avec un pote. Parce que, il faut l'avouer, hein, c'est plus agréable de jouer avec un pote que jouer tout seul. Ça, il n'y a pas de choses à dire que c'est ça, quoi. C'est trop ça. C'est tellement plus agréable. Fatigué, moi. Après cet épisode, je stoppe. J'ai plus de poissons. Oui, je suis un ou casseur. En ou témoin. C'est pour ça que je voudrais avoir une manette en fait. Parce que ce serait plus pratique. Ici, moniteur, pas de problème. Mais le problème, c'est que je joue avec des Joy-Con comme ça, c'est pas agréable. Et du coup, c'est là que l'intérêt de la manette joue. C'est moi, ils me suivent, pas pourquoi. C'est un peu comique. Oups. Quoi c'est? Ah. Pas ouf. Oh putain, pas trop tôt. Oh oh oh! Joyeux Noël, les enfants!
Ça m'a toujours fait rire, c'est qu'il y a aussi des personnages ici. Je sais pas si c'est censé être normal, hein. Je présume que c'est le jeu qui fait popper. Mais qu'est-ce que fout ce personnage ici, quoi? Il n'a rien à foutre sur un. Enfin, voilà, c'est rigolo. Et du coup, vous avez un mode joli truc. On va se quitter ici d'ailleurs. En tout cas, ça aura été fun de m'amuser un peu à faire des petits let's play comme ça. C'était fun à faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à regarder ce que je fais. En tout cas, je suis très actif. Mais le problème, c'est que je pense que je vais peut-être faire moins de vidéos le temps qu'il fasse chaud parce que c'est pas très agréable avec une canicule pareille. C'est pas très jouable. Donc ici, je pense que c'est ma dernière vidéo parce qu'attends que la chaleur se calme. Enfin, je verrai si j'en fais d'autres, mais en tout cas, c'est désagréable. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Ici, moi, de mon côté, je vais plutôt jouer à Monster Hunter ou Final Fantasy. Donc, Monster Hunter World, hein. Iceborne, machin, et Final Fantasy XV sur Xbox One que sur Nintendo Switch. Parce que là, oui, bien sûr, on est sur Nintendo Switch. Nous sommes pas sur PC, sur Xbox One. J'ai changé HDMI, du coup on est plus sur le même jeu. En tout cas, j'ai remarqué quelque chose, c'est que la qualité il me semble carrément meilleure quand c'est avec un Nintendo Switch. Ça, je comprends pas du tout. Le son du micro est beaucoup plus correct sur Nintendo Switch que sur le PC. Je comprends pas, je peux pas expliquer pourquoi. Donc ici, je vais vous dire à bientôt. J'espère que cette petite vidéo sympathique vous a plu. Je vous dis portez-vous bien et voilà quoi, j'ai rien d'autre à dire. Moi, j'ai juste à dire que dès que j'ai terminé, je rebranche mon ventilateur parce que je crève de chaud. Et je vous dis à bientôt, bande de trucs, parce que bien sûr, je suis obligé de débrancher le ventilateur le temps que je fasse mes vidéos, sinon ça va amplifier le son du micro parce que le micro est automatique. Donc, s'il détecte du vent, ben il va augmenter le gain exprès pour qu'on m'entende mieux, pour éviter que le vent va au-dessus de ma voix. C'est tout à fait logique et du coup, ça sature. C'est ce qui s'est passé pour Final Fantasy XV. Donc, je vous dis à bientôt, bande de trucs coquinous, et je vous dis bye bye, bye bye, bande de ou coquin. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il pète.